Salut, bienvenue sur Astro, vous êtes avec Chris et nous allons voir les bugs du cerveau les plus impressionnants. Vous voyez ça ou ça, c'est juste un avant-goût, ça va nous mindfuck. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Passe déjà en blanc. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah bon, j'en ai oublié un. Sur votre toit. Did you see the moonwalking bear? Ah non, je l'ai pas vu. Il était quand même visible. Après, il était noir et je devais pas faire attention à l'équipe noire. Bon, du coup, c'est lié à l'attention, hein. Et l'attention, c'est l'effet de focus. C'est comme quand vous êtes sur la route, vous regardez un truc précis. Bah, peut-être vous allez pas faire attention au reste. Donc, faut toujours rester vigilant par rapport à tout ça. Parfois, en voiture, on voit pas le cycliste, il passe devant nous et paf. Comme quoi, putain, du coup, quand on est concentré sur un truc, on voit plus rien, quoi. Ok, il y a quelqu'un qui caresse une main. Ah, c'est intéressant, du coup, en fait, ouais, ils prennent une fausse main. Tu sais que c'est une fausse main, sauf que du coup, ça t'induit en erreur parce que tu vas caresser la fausse main, mais en même temps, on caresse la vraie. Et au bout d'un moment, le cerveau, il se dit, bon, bah, la fausse main, c'est un peu ma vraie main puisque j'ai aussi les sensations. Et paf, on te met un coup de ciseau en plein dedans et là, tu bugs. Et tu dois avoir une décharge un peu de confusion au moment où ça arrive, puisque t'as pas la douleur, mais il y a quand même l'expérience. Bon, en fait, du coup, on peut imaginer que ça, c'est lié à la proprioception, c'est-à-dire le fait de savoir où sont nos membres dans l'espace. Et là, le truc, c'est que la main fantôme, elle est juste à côté de la vraie main, dans la même position, donc ça peut confuser nos neurones. Et du coup, c'est le même principe qui permet de soigner les gens qui ressentent des membres fantômes. Vous voyez, admettons, vous perdez votre main suite à un accident, bah, il se peut que vous continuez à sentir votre main qui existe, alors qu'elle n'est clairement plus là. Et du coup, là, il y a une thérapie qui permet de soigner ça, avec un effet de miroir, vous voyez. Et là, là-dessus, le miroir est utile parce que quand vous allez regarder le miroir, vous allez avoir l'impression d'avoir l'autre main. Je vais te donner trois chiffres, 4, 6, 8. Ça respecte la règle. Maintenant, je vais te demander à toi de me donner à chaque fois trois chiffres et je te dirai si ça respecte ou pas la règle. 10, 12, 14. Ça respecte. 20, 21, 27. Ça respecte. 20, 25, 10. Ça respecte pas et c'est bien. Tu as eu une démarche que pas tout le monde. A few moments later. Oh, regardez ce qui se passe. Smoothie. C'est à l'ananas. Oh, je déteste l'ananas. Ah bah génial, bah écoute, c'est pour ça. Merci que Agathe, super. Super. Je suis Jean-Michel Sarcasme. La règle, c'est qu'il fallait toujours que ce soit dans l'ordre croissant. Et donc toi, tu as trouvé parce que t'as mis un plus petit au milieu. Et il y a des gens avec qui tu peux faire ça pendant des heures. 32. Ça respecte la règle. Et 15. Ça respecte pas la règle. Est-ce qu'il faut que ce soit dans l'ordre croissant? Yeah, elle a trouvé, c'est la seule qui a trouvé pour le moment. Et du coup là en fait pour pouvoir prouver une règle, il faut bah, essayer de la falsifier. Ouais, c'est le principe de la science normalement. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone simply because everyone else is. Ça c'est génial. Putain, énorme. Waouh, ça y est, elle a été soumise à la volonté du groupe, à l'effet du groupe. Et plus ça passe, et plus du coup elle va obéir inconsciemment. Là, elle le fait parce qu'il y a des gens, mais qu'est-ce qui se passe du coup dès qu'il y a personne? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Putain, ça c'est trop marrant. Et surtout, ce qui est marrant, c'est quand on regarde, on se dit ouais, mais ils sont cons en fait, ils sont manipulables ou alors ils sont influençables. Mais en vrai, du coup, on se rend pas compte à quel point l'effet de groupe, la pression sociale en fait, nous force à nous conformer. Et même moi, je pense pas que j'y résisterais en fait, surtout quand vous en avez pas conscience. Moi, je me souviens dans le métro, c'était un truc tout con en fait. Du coup, on est dans le métro et je me mets face à la porte, logique. Sauf qu'à un moment, je vois que tous les gens se tournent dans l'autre sens et du coup, je suis face à eux. Et la porte s'ouvre derrière moi et j'ai senti à ce moment-là, quand toutes les personnes se tournaient face à moi, le besoin ensuite de me tourner, c'était vraiment viscéral quoi. Et du coup, je me suis tourné lentement et j'ai obéi à la conformité du groupe quoi. Mais alors vous dites, mais putain, mais pourquoi on se conforme à un truc débile? La réalité, c'est que vous ne savez pas que cette chose est débile. Peut-être qu'en réalité, elle est hyper utile. Nos sociétés sont constituées de règles qui n'ont pas de sens. Elles ont juste du sens parce qu'on leur en a donné. Sauf que si vous ne suivez pas les règles, vous allez devenir divergent et la divergence, ça nous fait peur. Et donc du coup, vous allez être exclu, et si vous êtes exclu, hop, vous allez pas vous reproduire, vous allez crever, hop, 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 et du coup, bah, ça dégage. Putain, ça a été à une vitesse. Et ça, c'est cadeau. Hop là. Bravo, Chris. C'est rigolo, Non, mais c'était vraiment pour terminer en beauté. Ok, Chris, j'ai
j'ai fait un petit test de personnalité sur toi. Et ça m'a sorti un petit profil très personnalisé. Ça m'a dit, vous avez besoin d'être aimé et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Par moments, vous êtes très extraverti, bavard et sociable. Tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Est-ce que ça te correspond ça, Chris ? Ça, c'est moi. Alors je t'annonce que tu t'es fait avoir par ce qu'on appelle l'effet Barnum. Oh non ! Bon, je le connaissais. Ouais, du coup, c'est ça, c'est l'effet Barnum. En fait, c'est un effet qui a été prouvé pour montrer que les tests, en fait, du coup, d'astrologie ou alors du coup de voyants ou des trucs, entre guillemets, parfois de charlatanisme, on peut l'expliquer avec cet effet-là, l'effet Barnum. C'est-à-dire une description très générale. Et bien, du coup, malgré tout, vous allez vous sentir concerné. Faut utiliser suffisamment les bons mots et être assez convaincant pour que la personne dise « Ah ouais, c'est ça, c'est moi ». Donc voilà, faites le test avec des gens que vous connaissez ou que vous connaissez pas. Vous leur dites « Ouais, j'ai fait un test de personnalité sur toi » et il y a des chances qu'en fait, ils tombent dans le panneau. Alors attends, là du coup, je dois choisir 3 groupes de lettres parmi les 6. Ouais. Vous choisissez des groupes de lettres en même temps que moi. Ne vous laissez pas influencer par ce que je vais prendre. Bon, je vais dire femme, odéo, belle. I'd suppose that you chose these 3 stocks. Il est fort, hein. Ah, le bâtard. Bon, ok. Comment on explique ça ? Bah, en fait, vous vous rendez compte, les mots qu'on a choisis, que j'ai choisis en tout cas, bah, on arrive à les prononcer, ils ont un sens, quoi. Alors que les autres, ça ressemble plus à une bouillie, en fait, de voyelles ou de consonnes. C'est le fait qu'en fait, je connais ces mots, et comme je les connais, même si je suis pas anglais, il y a une petite familiarité, vous voyez. Et ça, c'est utilisé en marketing pour rabâcher des marques. Bah, les mecs dans le marketing, ils savent que plus ils le disent dans votre tête, et plus vous allez être accoutumé, et l'accoutumance fait que du coup, vous allez trouver ça, presque au bout d'un moment sympathique, et donc bienveillant, et donc vous aurez envie de les acheter. Voilà les $500. Ça, c'est l'effet d'exposition. It's easy to put people in boxes. There's us and there's them. Ok. On voit que du coup, il y a des stéréotypes, on va former les groupes selon un peu leur apparence. Bon, il y a les mecs un peu street, on va dire. Il y a les toubibs. Ouais, il y a les personnes âgées. Bon, ok, on voit ça, on se dit, bon, bah, c'est des groupes, pas de souci. Et puis après, on arrive à créer d'autres groupes. En fait, on peut toujours créer des groupes avec des gens différents, quoi. Il y a toujours des points communs qu'on peut trouver avec d'autres personnes. Je suppose que c'est la morale. Bien joué, Joe. Ok, en fait, ouais, c'est plus lié au stéréotype. En vrai, on est toujours un peu tout dans un groupe et ce qui nous constitue, c'est plein d'éléments différents qu'on peut aller piocher dans plein d'endroits différents, quoi. Et on peut avoir des préjugés. Par exemple, ce type-là, vous dites, ah, lui, forcément, il est bien. Ah, lui, c'est un mec un peu dangereux, mais en vrai, pas tant que ça. Belle expérience, ça montre qu'on se trompe. Et après, bon, stéréotype, on a l'impression que c'est un peu un mot dégueulasse. On se dit, ah, il faut plus de stéréotypes. Mais c'est pas possible. C'est le fonctionnement même de notre cerveau. Il a besoin de créer des groupes. Et les stéréotypes, on en a besoin pour catégoriser les choses du monde. Mais parfois, bah, du coup, ça nous dessert. Liverpool Street Station in London. A drunk lies on the pavement. Ok, bon, on a un mec en piteux état. And since he looks the worse for wear, not critically ill, they ignore him. He lies there for 20 minutes. And no one raises an eyebrow. This time, we've dressed Peter as a respectable city gent. Ouais, bon, il a pas l'air ouf, hein. Il a pas l'air hyper bien. Bon, après, il a le droit de se poser et puis d'attendre la vie. Hein. Ah, hyper intéressant, ouais. C'est que du coup, en mode gentleman, costard cravate, là, par contre, on vient l'aider. Moi, je trouve ça trop drôle, ouais. Enfin, trop drôle. Il risquait d'abîmer son costume. Très marrant. Ouais, bah du coup, là, vous avez un effet de preuve sociale. Par exemple, là, on se dit, mais pourquoi l'homme, du coup, habillé en costard et on l'a aidé ? Il y a 2 trucs qui rentrent en jeu. Déjà, il est habillé en costard et quelqu'un en costard, bah, il est pas dehors en train de vomir. Et les gens autour, bah, comme eux, ils sont aussi bien habillés, ils vont se dire, putain, cette personne me ressemble, elle est habillée comme moi, il faut que je l'aide, c'est comme si je m'aidais moi-même d'une certaine façon. Donc, ils y vont et dès qu'il y a une première personne qui y va, bah, les autres, ils se disent, bon, bah, c'est bon, s'il y a quelqu'un, c'est qu'en fait, je peux le faire et ils vont l'aider. Mais ça marche aussi à l'inverse. Si vous n'êtes pas habillé comme les gens de votre groupe, les gens sont habillés d'une certaine façon, vous venez en costard, peut-être que là, bah, ils viendront pas vous aider, par exemple. Et si en plus personne vient vous aider et que personne vient vous aider, bah, personne ne viendra vous aider. J'ai compris. C'est un effet un peu de... un cercle vicieux, quoi. J'espère que ça vous a plu, en fait, tous ces petits bugs du cerveau. En vrai, c'est des bugs, mais en même temps, c'est des fonctionnements de notre cerveau. Mais parfois, on peut tirer la corde pour voir ses limites. En tout cas, j'ai vraiment kiffé. Surtout, en fait, sur ma chaîne Psyché Fécond, et bien du coup, je pense que je vais en reproduire certains. Vous avez l'une des premières vidéos, c'est où je lance 1000 balles de basket. Et à chaque fois que je mets une balle, je donne 5€ à une association. Mais voilà, il y a plein de choses qui se déroulent à l'intérieur. Allez checker si ça vous dit. D'ailleurs, allez voir Psyché Fécond si c'est pas déjà le cas. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Astro ou sur Psyché. Bye.